fais pas aussi autre chose qu'on ne veut pas qu'on t'efface. Tu sais pas si on dit comme ça en français. Je dirais l'optimisme. Les manques d'empathie, je dirais. C'est d'être intègre, d'être honnête, de montrer par l'exemple. Donc, moi, c'est les basiques déjà pour démarrer. La musique est très importante. Donc, déjà, pour démarrer, c'est pas mal de me mettre une playlist en fonction de pourquoi j'ai pas la morale. On s'est dit hier d'aller en Cambodge pour aussi partager des moments avec les amis qui nous manquent autant. Plus ça va vite, plus il faut ralentir. Quand j'étais enfant, je faisais tout, voilà, sans réfléchir, la liberté absolue. Et maintenant, il faut s'adapter à certaines choses. Et ça, ça me manque, oui. Bon, je transmets et j'apprends en même temps. Donc, pour moi, c'est lié. Et j'aime les deux. Je préfère la mère, notamment des Calix, parce que déjà, c'est mon enfance. Et Calix, pour moi, quand j'y pense, c'est toujours ciel bleu. Alors que quand je vais à d'autres plages, par ici, c'est pas toujours ciel bleu. Bradley Cooper, parce que bon, les films avec Lady Gaga, A New Star Is Born, ça m'a beaucoup plu. Donc, Bradley Cooper. Je suis plus sereine quand je prépare, mais parfois mes performances sont meilleures quand j'improvise. Les échanges avec les collègues, les clients, donc l'apprentissage au quotidien et la diversité. C'est faire confiance. En Espagne, on se plaint moins et on avance moins vite. En France, on se plaint, mais il y a aussi les meilleurs résultats. Donc, voilà la manière de tourner l'histoire. J'étais inspirée par les films L'Interprète. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai fait des études en traduction-interprétation. C'est ma première licence. Et finalement, je ne suis plus ça. Mais j'ai fait des interprétations simultanées, très difficiles. Vendredi, bien sûr, les week-ends. Je suis même... En espagnol, on dit « juernes », c'est-à-dire « jeudi », c'est « jueves ». Donc, je suis... Jeudi, je pense au week-end déjà. Accompagner les personnes dans un nouveau schéma et donc de pouvoir leur donner les moyens pour arriver à les parcourir donc, individuellement. Moi, on est la plupart des fois plutôt des facilitateurs.